Petite pause. Attends, pause. Ça défile ou pas? Non. Fais un clap. Ok, il faut tout faire bien comme ça. Ça va être un enfer, c'est mon premier jour du studio. Ouais. Du coup, on a eu le temps d'installer la batterie, d'accorder la batterie. Et là, on est en train de passer des micros pour enregistrer une chanson, deux chansons. Johan, que se passe-t-il ici? Ah bah, plein de choses. Écoutez, en vrai, pas grand-chose. Évidemment, pour le kick, c'est un micro, c'est un speaker de ma voiture qu'on a pris. Julien Erwine, alias Wayne O'Connor, alias Julien De Bruyne, alias Julien Désiré Landru. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Pour l'instant, pas grand-chose. Écoutez, on attend que Maxence termine de setup son instrument de production, qui est la batterie, afin qu'il puisse débuter l'enregistrement de cette troisième session pour Tout Trace Left. On vient depuis 2017. 2017, en effet, la première session. On avait réussi à financer grâce à un Kickstarter. Avec les contreparties qu'on n'a jamais envoyées. C'est aussi ça le Kickstarter. Ici c'est la Live Room. Ici c'est la Live Room. C'est vrai que toute la magie du live se passe. Mais ici, c'est la batterie qui est en train d'être mic'ée. Ouais. Nous avons installé les microphones de type dynamique sur les fûts de la batterie. Ici. Ouais, c'est vrai. C'est la control room. La salle de contrôle pour les non-initiés. Il est insupportable. Là où Bertrand fait toute sa magie, et là où c'est un peu, il met un peu plus de base dans le virage final, des trucs comme ça. Juste lui mettre une droite. Bertrand fait son patch, juste ici, il me semble. Je dis pas, je parle sous son contrôle, hein, je veux pas dire de bêtises. J'ai l'impression qu'il me suit. Tu l'as vu, tu pelouses ou pas? Je peux vous jouer par exemple Hey Bulldog des Beatles.